Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui découvrent. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un tag. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de tag et j'ai eu la chance d'être taguée par Cécile de la chaîne La Cour de Lille qui a créé d'elle-même ce tag. Donc déjà, félicitations Cécile. Très bonne initiative d'avoir créé un tag. Je l'avais fait il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est super agréable d'essayer de penser aux questions et puis de voir après, de le laisser partir entre les mains des coloristes et qu'ils fassent le tour. Donc, tu as bien fait. En plus, les questions sont hyper intéressantes. Donc, ça, c'est génial. Et j'ai eu la chance d'être donc taguée par Cécile elle-même. Donc je suis très honorée et vraiment très contente, ça me touche vraiment sincèrement qu'elle ait pensé à moi pour me taguer. Donc nous allons y aller pour les questions. Je couperai certainement à la fin parce que j'ai besoin de faire un point sur ce que j'ai pas encore réfléchi aux questions en fait pour vous dire. J'ai juste compté mes livres parce que je crois qu'il y a une question pour le nombre de livres, etc. Mais à part les avoir notées les questions, je ne les ai pas travaillées, donc ça va être à l'instinct. J'aime bien que ce soit à l'instinct, j'aime pas que ce soit trop réfléchi en fait. Donc je ferai ça. Et par contre, pour taguer des personnes. Bon, va falloir que je regarde, parce que, en fait, l'idée de Cécile de mettre à l'honneur des personnes qui nous mettent régulièrement des commentaires, qui nous suivent assidûment, etc., je trouve que c'est une super idée. Donc, il faut que j'aille voir directement dans mes commentaires et puis dans les chaînes qui me suivent, qui je vais pouvoir nommer, taguer. Pour faire ce... on va rajouter encore le même mot, mais pour faire ce tag. Voilà, ça fait un peu beaucoup de tags dans la phrase, mais en même temps, il s'agit d'un tag. Donc, c'est parti pour le tag de la Cour de Lille. Donc, il s'appelle le Coloring Book Tag. Donc, de mémoire, il y a 15 questions. Ouais, 15 questions et la 16e, c'est celle où il faut taguer des gens. Donc, comme je suis un peu longue souvent dans mes questions, installez-vous confortablement, prenez une tisane ou un café, un livre de colo et c'est parti. Ah, avant, du coup, je continue mon colo que je fais en duo avec Marine Coloriage et c'est Un million de paresseux de Lulu Maillot. Et c'est un livre que je débute pour le défi de Maëva, la chaîne Colorisera. Le hashtag, on entame un max de livres en 60 jours. Ce qui ne me fait pas de mal du tout, ce défi, puisque j'en ai énormément à débuter. Et plus j'en débute, plus j'en achète. Donc, c'est une roue sans fin. Bref, trêve de blablaterie. On va se lancer dans le tag. Oh, je déborde un peu, mais c'est pas grave, je vais les repasser. Je les repasserai après. De toute façon, je pense que je vais les faire noir, toutes ces feuilles. Donc, on va voir. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Donc, mon premier livre de coloriage, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, c'était celui-ci. Et oui, je l'ai gardé, un, par souvenir. Deux, parce qu'il est terminé et quand je le regarde, je me souviens de mes premiers colos. Donc, on l'a déjà regardé. Alors, il n'y a rien de transcendant, ce n'est que du coloriage. Alors, j'avais fait ça avec les crayons de couleur de mes enfants. Il n'y a pas de dégradé, c'est que de la plat. Il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de fond.
Et quand il y a du fond, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Moi, ça me détendait à l'époque. En plus, je trouvais ça beau à l'époque. Mais c'est vrai qu'on voit les différences. Et c'est ça qui est bien. L'évolution. C'est pour ça que j'aime le garder. Je suis pas sûre que vous voyez par contre. C'est pas bien cadré. Une petite vidéo de Virginie sans bouger. C'est pas une vidéo de Virginie. Hein. Donc voilà, je vous fais un petit tour pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne. Ouais, c'était vraiment de l'assemblage de couleurs. Il n'y a vraiment aucun... Il n'y a pas de détour, j'ai rien. C'est vraiment... Voilà. Mais bon, c'était mon premier livre. Et c'est ce qui a fait qu'en partageant mes colos, ma copine Joëlle m'a dit ah, mais tu fais du colo, mais tu sais, il y a des groupes, il y a ci, il y a ça, il y a des crayons spécifiques, enfin bref. Et tant pis, je suis tombée dans la gamelle. Voilà pour la question 1. Quel est le dernier livre que tu as acheté? J'en ai acheté deux d'un coup. J'ai fait un haul hier d'ailleurs à ce sujet. Alors, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je les ai rangés ou pas? Voilà, ils sont là. Donc, j'ai acheté le Coloring Fantasy de Scott Howden. Donc, j'ai présenté. Donc, si vous ne le connaissez pas, je l'ai feuilleté vraiment dans ma vidéo... haul d'hier, enfin d'hier, vidéo précédente, ce que je vous disais, mais ça se trouve, je sais même pas si quand je vais le monter sur ce tag, on sera toujours aujourd'hui, donc je sais pas. Et le Monster Witches de Coco Wayo, pareil, présenté page à page sur la petite vidéo haul précédente. Alors, je fais une petite pause parce qu'il y a match de rugby et du coup, il faut que j'aille les calmer. Me revoilà. J'espère qu'ils vont se calmer au niveau du bruit. Question suivante. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Donc, j'avais déjà fait, pareil, une petite vidéo sur mes livres. Ce qui avait d'ailleurs provoqué... des envies de vidéo d'autres coloristes. J'ai trouvé ça très marrant de, en fait, que le fait que je me rende compte des livres que j'ai face à un électrochoc à d'autres. Et ensuite, Maëva a lancé son on entame un max de livres par rapport à ça et j'ai trouvé ça génial. Et même moi, j'y participe parce que franchement, j'ai fait ça et en fait elle en a fait quelque chose de mieux, c'est-à-dire qu'elle en a fait une idée pour tous nous motiver et je trouve ça génial et je la remercie encore d'avoir eu cette idée, ce que je lui ai dit déjà, parce qu'elle avait l'impression d'avoir repris mon idée, etc. Mais pas du tout, j'ai trouvé que voilà, elle avait eu cette idée et en fait c'est ça qui est bien, c'est quand on arrive à s'aider dans des projets mutuels, je trouve ça génial. Donc, je te remercie encore d'avoir lancé le On entame un max de livres en 60 jours. Donc, le problème, c'est qu'entre deux, j'ai racheté. J'en ai démarré, mais j'en ai racheté. Donc, je reprends ma page. En fait, vous allez voir, c'est horrible. En septembre, le 18 septembre exactement, j'avais 88 livres et 20 n'ont commencé. Nous sommes en novembre, fin novembre, j'ai 97 livres. C'est ça le drame, c'est qu'en 2 mois, j'en ai acheté quasiment 10 et j'en ai 24 n'ont commencé. Donc, ça va, parce qu'en ayant acheté 24, j'en ai que 4 de plus n'ont commencé par rapport à ma précédente vidéo. Donc, parce que je crois qu'en plus, au moment de la vidéo, j'en avais 90.
Et quelqu'un en plus, parce que j'avais oublié de compter mes Lolo Maillot, mes Lulu Maillot, pardon, je parle à l'envers, et Merit Haberman. Donc bon, le chiffre était un petit peu faussé, mais voilà. Donc c'est quand même le drame, mais voilà, bah après, dès qu'un livre me plaît, j'ai envie. Malheureusement, je me laisse tenter. Donc du coup, j'ai répondu à la question d'en dessous, c'est combien te reste de livres à commencer? Donc 24. Même si je vous dis là, ce mois-ci, j'en ai commencé. Je prends mon agenda. Au mois de novembre. J'ai pas du tout le même rendement qu'au mois d'octobre. Je colorie vachement moins. Ah, elle est où ma fiche nouvelle? J'en ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà pour l'instant. Donc je trouve ça pas mal. Je trouve ça quand même pas mal, 6 de commencer. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Est-ce que je me suis déjà séparé de livres? Parce que alors ça, c'est un gros traumatisme pour moi, c'est que même ceux que j'aime pas, je les garde. Je crois que j'en ai donné un à ma fille. Je m'en suis pas séparée beaucoup. De toute façon, quand je me sépare, je lui donne à Eline. Ouais, non, je lui ai dit que je lui ai donné que le Creepy Doll. Le Creepy Doll. Et puis, non, le reste, c'est à elle. Non, je lui ai juste donc donné. Ah oui! Je lui ai donné le Creepy Doll et les sorcières de. Je crois que c'est Philippon. Parce que j'avais acheté ça, en fait. Et je pensais que c'était un livre de colo. Et en fait, c'est des livres d'activité. Et les colos me plaisaient pas. En fait, c'était une petite boîte avec des crayons. Voilà, des crayons. Elle n'a pas encore entamé. Hein. Et puis, un bloc de jeu. L'Orphelipon, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Et en fait, je voulais tenter l'Orphelipon. J'avais acheté ça et c'est pas du tout ce que je m'attendais. Donc ça, je lui ai donné. Et le Cupidon aussi, je lui ai donné parce qu'il ne me plaisait pas. Ah oui. Ah si, je... Ah ben oui, je lui ai donné pas mal. J'ai donné cela aussi. Alors, je lui ai donné aussi le bestiaire parce qu'en fait, j'avais acheté sur Vinted un Disney, mais moi je suis pas Disney. Et donc, j'avais commencé à faire celui-là. Et en fait, je ne savais pas du tout comment se faisait ce genre de colo. Et je croyais faire ça comme un mandala et ça m'a saoulée. Donc, je l'ai arrêté en cours de route. Ça, c'est ma fille qui l'a fait. Et du coup, je crois que c'est elle qui l'a fait aussi. Et je trouve qu'ils sont trop chargés. Et je crois que j'avais essayé d'en faire un autre. C'est elle, mais du coup, avec du feutre à alcool, ça déborde. Et je crois que j'avais dû essayer de faire celui-ci aussi. Mais franchement, non. Ça m'a pas du tout plu, donc je lui ai donné. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté ça chez Action pour essayer de faire des fleurs. Voilà, colorier un peu dedans. Et en fait, bah, je l'ai gardé quelques temps. Puis je me suis dit non, je colorierai jamais dedans, donc je lui ai donné. Donc oui, j'en ai donné quand même pas mal. 3 ou 4. Je remettrai mieux dans son chariot après. Donc, sixième question. Quel est ton livre favori ou dans lequel tu vas le plus souvent? Alors j'en ai plusieurs. J'ai le Summer Night parce que bah, j'ai le challenge.
D'ailleurs, je ne sais pas où est mon Summer Night. C'est un grand drame. Elle est là. Vous pouvez voir comme ça, pas du tout, mais il était rangé avec l'éclairin Markova. Parce qu'il faisait l'éclairin Markova. C'est du répète, hein. C'est du répète parce que à chaque fois, chaque mois, vous le voyez, celui-ci. C'est celui que j'ai le plus, je crois qu'il est le plus avancé dans mes livres. Là, c'est celui-ci qu'on va faire ce mois-ci. Pas tarder à commencer parce que je suis carrément à la bourse ce mois-ci. Donc, non, il est très très avancé. Donc, celui-là, j'y vais tous les mois. Et celui de Blanche-Neige d'Amandine Long, où je vais tous les mois aussi et qui est très très bien avancé. Donc, la name page est faite. La page de présentation. J'essaie de vous le passer vite. Hein. Je crois que c'est celui qui est le plus avancé dans mes livres. Dans les récents, parce que les tout premiers, je ferai un petit aparté sur les tout premiers que je me suis acheté avant d'avoir la frénésie d'en acheter des mille et des cents. Voilà. Donc, c'est vraiment ceux dans lesquels je vais le plus souvent et qui sont mes préférés. Voilà. Ah, non, il y en a un autre aussi que j'adore et dans lequel je vais très souvent. Et de toute façon, j'ai mon challenge tous les mois avec mon trio de copines. Mélo Colo qui a sa chaîne maintenant et Hello Colo. Et donc c'est le Thunderful Enchantment. Donc ça c'est celui qu'on va faire ce mois-ci. Et celui-ci c'est celui qu'on va faire le mois prochain. En fait on suit toutes les trois le challenge à distance de Dream Team. Mais c'est un des livres que j'adore. Et qui est quand même pas mal avancé aussi. Donc, j'adore. J'avance tranquillement, mais il est bien. J'aime bien les mises en couleur qui sont faites dedans. Est-ce que je vais continuer à avancer ou pas ça? Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau, j'ai soif. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? La question n'est pas facile. La question est pas facile. Dans quel livre j'ai le plus de mal à aller? Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait, c'est une question de temps. Parce que tous mes livres, j'ai envie d'y aller. J'en ai pas qui me rebutent, en fait. Mais comme je fais en fonction, bah, beaucoup, là, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses. C'est très compliqué de dire. Je vais dire le Daydreams. C'est pas que j'ai eu mal à y aller, mais c'était un de mes plus avancés. Et le pauvre, je l'ai abandonné en cours de route pour le Summer Night. Donc j'aimerais bien y retourner. Je pense qu'il faudrait que je fasse un duo pour me lancer en fait. Parce que je l'avais vraiment bien avancé, franchement. Voilà, j'avais fait celui-là. J'avais fait celui-là.
J'avais fait celui-là, j'avais fait celui-là, j'avais fait celui-là. Donc il partait bien et puis pouf, je l'ai abandonné pour le Daydreams. Donc peut-être qu'il faudrait que j'y retourne. Je dirais celui-là, mais voilà, sans aucune... Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? J'ai pas de style. Vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, alors ceux qui me découvrent, je vous invite à regarder mes différentes vidéos précédentes. J'ai pas de style. J'ai pas de style particulier. J'aime colorier un peu tout. J'ai longtemps eu peur des portraits. Mais depuis que, bah, que je fais la battle de Color Fila aux côtés de ma copine Joëlle, mon binôme d'amour, eh bien, j'ai plus peur. Donc, c'est compliqué comme question. Alors, je vais répondre un petit peu à côté. J'ai toujours rêvé d'avoir un Jasmine Beckett Griffith. Donc, que j'ai eu. Ma copine Simone de la chaîne Simone Color. Je ne vais jamais me rappeler de toutes les personnes que j'ai citées et qu'il va falloir que je mette en barre d'infos. Franchement, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Et en fait, ma copine Simone Color m'a offert mon premier Jasmine Beckett Griffith. Elle fait tellement des choses magnifiques dedans que j'ai envie en fait de lui faire honneur en le coloriant. Et j'aimerais suivre un de ses tutos où elle fait d'abord au feutre à alcool et ensuite elle retravaille au crayon. Donc je dirais que... ouais, ça rejoint peut-être plus la question d'avant en fait. Enfin, c'est pas qu'il correspond pas à mon style. En fait, c'est un mélange des deux. Parce que c'est pas qu'il correspond pas à mon style, mais j'arrive pas à aller parce que je veux vraiment faire honneur à Simone et je voudrais commencer par cette illustration. Donc, il va falloir vraiment que ça va faire partie de mon prochain colo à démarrer. J'avance pas, hein, je vous le dis, j'avance pas. Je suis en train de faire ma deuxième couche d'aquarelle, mais j'avance pas. Ça ressemble à rien ce que je suis en train de faire. Ça ressemble à rien. Bref. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, je me suis fait une liste de livres. Je m'étais mis le Clara Markova. Pour lequel j'avais fait la précommande au début. Et puis, ils m'ont remboursé. J'avais fait la précommande sur Decomad. Ils m'ont remboursé quand ça a été annulé et repoussé au niveau de l'impression. Et ils ont annoncé du jour au lendemain que finalement, ils sortiraient le lundi 21 novembre. En faisant genre une pression du style, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et là, ça m'a énervé à un point, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je pense que c'est... Pourtant, j'adore Clara, j'adore ses livres, hein, je les ai tous jusqu'à présent. Son univers féerique ne plaît pas à tout le monde, mais moi, il me sort de mes idées qui sont parfois pas joyeuses, on va dire. Et du coup, j'aime me plonger dans un univers complet, bah, comme là, hein, comme le Lumayo et ses petits personnages, qui sont vraiment des trucs où on débranche son cerveau et on cherche le bonheur dans le bonheur et dans le pré, mais c'est le bonheur et dans le colo. Et donc, voilà, j'étais vraiment prête à l'acheter. On était quand même sur un investissement frais de port inclus à 47 euros. Et cette petite phrase de « il n'y en aura pas pour tout le monde, dépêchez-vous, sinon prochain réassort
au printemps. Franchement, ça m'a énervée. Parce que je me suis dit que c'est vraiment pour que les gens se précipitent dessus. Et c'est dégueulasse parce que, avec toutes les précommandes qu'ils avaient, ils savaient très bien combien il faudrait qu'ils en impriment pour qu'au moins le premier jet des premières commandes soit faites. Et j'ai trouvé que ce moment marketing n'était pas du tout approprié au vu du prix du livre. Donc, ça m'a énervé. Donc, du coup, je n'ai pas précommandé et j'attendrai. Donc, de toute façon, je compte aussi mettre en place à partir du mois de janvier les enveloppes du monde en couleur de Nono. Je vous invite à aller sur sa fiche, sur sa chaîne, si vous souhaitez voir de quoi je parle, puisque moi je me lâche régulièrement dans les colos et j'aimerais pouvoir faire des achats un peu plus réfléchis, même si, comme je vous l'ai déjà dit, quand j'achète, je sais que j'ai l'argent de côté et je ne vais pas mettre ma famille en danger pour le faire. Mais n'empêche que si ça pouvait être plus réfléchi, etc., etc., ben je ne m'en porterais que mieux. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le livre de Clara Markova. Je sais pas combien de temps je mets par question, mais vous allez avoir une vidéo extrêmement longue. Je me suis notée dans les prochains craquage de livres, Amandine New, mais ça, c'est une surprise pour personne. Amandine, il est clair que je veux toute sa collection. J'ai déjà tous ses livres de colo. J'ai son livre de lecture. Donc, il est bien évidemment que quand Ondine va sortir, je serai au taquet pour avoir le livre. En même temps, je suis bête, je vais les faire noir, donc je vois pas pourquoi je passe autour. Donc, Ondine, c'est clair qu'il va partir dans mon escarcelle dès que la précommande va sortir. C'est une évidence. Et j'aimerais bien avoir le livre avec la couverture dure, comme je l'ai pour Cendrillon. Même si je veux absolument avancer Blanche-Neige avant de continuer à avancer Cendrillon, parce que Cendrillon, je n'ai pas fait beaucoup de colo dedans pour l'instant. Parce que je veux absolument avancer de plus en plus Blanche-Neige. J'essaye d'en faire un tous les mois, justement, pour avancer le plus possible. Ensuite, je me suis notée. Bon, Mademoiselle Su, bah, finalement, je me l'étais notée, mais au final, j'ai déjà acheté. Alors que j'avais dit que j'attendrais. Voilà. J'ai pas pu attendre. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je voulais y acheter des PDF parce que c'est ce que je fais maintenant. Souvent, quand un artiste a la possibilité de vendre ses PDF par Etsy, j'achète les PDF pour être sûr que l'artiste va me plaire avant d'acheter un livre. Et je voulais acheter des PDF et puis ça s'est pas fait. Et puis, du coup, je dis, bon, allez, tant pis, j'achète le livre. De toute façon, en voyant la présentation qu'avait fait Colorfilla, j'avais déjà craqué. Donc, voilà. Je vous dis, je ne vais pas me rappeler des chaînes que j'ai citées. Le Nelconelco qui sort en décembre, le prochain, c'est certain. Au vu de ce que j'ai vu pour le moment, de ce que Nelconeco m'a montré, puisque elle est extrêmement accessible comme illustratrice. Et elle m'a montré sur Insta, même si elle parle coréen et moi français, on arrive à se comprendre. Il est évident que je vais sauter sur son livre, même si le premier, j'en ai pas fait beaucoup dedans, mais ils sont trop beaux, c'est une question de collection. Maud Lamoine, ça fait partie aussi de la liste de livres de colo que j'achèterai peut-être dans l'année. Et enfin, je veux absolument me procurer le Funny Tales de Kevin Théo Hart. Vous voyez, la liste est quand même pas petite. J'espère que je vais pouvoir acquérir tout ça, mais pour cela, je pense que je vais me mettre des petites enveloppes. Comme ça, en fait, je ferai peut-être les défis comme Nono, les défis pièces de 2 euros ou billets de 5 euros. Je vais voir comment je vais m'organiser.
mais ne pas avoir l'impression de toucher à notre salaire ou pour pouvoir s'offrir ses loisirs, c'est une super idée. Donc je vais étudier ça de près pour pouvoir m'y mettre en janvier et voir. Ce qui est chiant, c'est qu'on va certainement me demander une liste pour Noël. Mais le problème, c'est qu'il y a des livres, ils ne s'achètent pas du tout sur Amazon. Donc, je peux envoyer ma wishlist Amazon, mais il y a des choses qui ne vont pas être dedans, quoi. C'est ça qui est pénible. Donc, à voir. Bon, on va attendre que ça sèche de ce côté-là. Je pense que je vais faire un autre truc et je rattraperai. Parce qu'il faudrait que j'aie une autre teinte. Je sais que j'ai posé mes. Ça, c'est là. Ouais, que je prenne le lilas. Mon avis. C'est pas bête si je prends lila et comme ça je vais faire une jonction avec. Ouais, je vais prendre lila. Je vais l'activer un peu. Ensuite, alors j'en étais à quelle question? Ouais, et puis comme ça, je vais pouvoir travailler mes transitions après. Pas mal. Alors, et je démarre. Faire les transitions après différemment. Alors, j'en étais à quelle question? Je reprends ma liste de questions. Là, j'étais lesquels livres j'allais. Normalement, c'était combien de livres? Enfin, dans le prochain livre que vous alliez. Moi, j'en ai pas dit qu'un. Alors, j'étais la question 9 sur quel. As-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir ton livre? Bah, j'ai répondu aussi dans la question précédente. C'est une surprise pour personne. J'adore Amandine Young. Et j'aimerais effectivement avoir tous ses livres de collection. Tous ses livres de colo. C'est une évidence. Je vous dis, j'en suis même arrivée à acheter son livre de lecture. D'ailleurs, que j'avance tranquillement parce que... Bah, le problème, c'est que je peux lire que dans mon lit en ce moment. Et dans mon lit, j'ai pas de lampe de chevet. Et si j'en ai une, de toute façon, ça empêche mon mari de dormir. Donc, je mets mon téléphone portable. C'est pas super pratique. Alors que quand je lis sur ma liseuse, d'habitude, je gêne personne. Sauf que je voulais pas avoir le livre d'Amandine sur une liseuse. Je voulais l'avoir en main. Et oui. C'est comme ça, hein. Que voulez-vous? Quand on est fan, on est fan. Donc là, j'attends le Ondine avec impatience pour pouvoir le commander. Ensuite, as-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lequel? Celui que je vous ai montré en début de vidéo. C'est le seul livre que j'ai terminé. Et après celui-ci, celui qui est qu'il faudrait que je termine, c'est le Alena Lazareva. Je vais vous le montrer. Ça fait partie d'un. Alors, il y en a deux qui sont extrêmement avancés en fait dans mes livres que j'avais achetés tout au début de mon coloriage. Après celui que j'avais terminé, je m'étais acheté 2-3 livres.
Donc le Elegant Beauty, sur lequel en fait j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je crois que c'est tout, 12, 13, 14, 14 et je crois que c'est 20 colos en fait. Je crois qu'il y en a 20. 20 puis après revint derrière. Donc celui-là il est super avancé. Mais je l'ai complètement abandonné et j'avais commencé dans les Nice Little, Town où j'ai 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, tiens, un emploi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 dans celui-là. Donc ces deux-là, en fait, ça faisait partie des premiers que j'avais achetés juste après avoir terminé l'autre. Et ils sont extrêmement avancés. Et puis après, c'est parti, comme qui dirait, en couille. Parce que j'en ai acheté beaucoup de trop. Donc, ben voilà, je vous ai répondu à la question 12 en même temps. Quels sont mes 3 livres au top de ta wishlist? Je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Parce que ben, je vous en ai dit quand même. Alors, attendez, je vais juste faire pause et je vais aller vérifier ce que j'ai mis. Désolée pour la coupure, j'étais partie voir. Oui, donc dans ma wishlist, j'ai mis beaucoup de Beria Carquisoy, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai mis le petit livre que Mélissa de la chaîne Colorfila a présenté, mais que Simone Color a présenté aussi, qui ressemble un peu à Emmanuel Colin, Rose and Friends, ça, je l'adore. C'est vrai qu'il a sauté plusieurs fois dans mon panier, puis je l'ai remis après dans la wishlist. Et puis, lequel Ah, puis les Coco Wayo. Plusieurs Coco Wayo, le couple. Ouais, il y a plusieurs Coco Wayo que j'aime bien. Mais voilà, le The First One, ça reste The Rose and Friends. Et Characters, je crois, de Daria Carquisoy. Voilà, c'est vraiment... au niveau livre, c'est ça. As-tu des livres chouchou pour certaines périodes de l'année? Alors, on ne peut pas appeler ça des livres chouchou, mais... je les ai achetés l'année dernière puisqu'il y avait, pour la première fois, je participais à un challenge. D'ailleurs, cette année, c'est moi qui l'organisais, mon challenge, c'était rigolo. De Morgane, encore une qui va falloir que je cite. Je cite trop de gens, hein, en fait. Morgane Colopassion avait fait l'année dernière et qui avait fait aussi quelque chose. De mémoire, c'était Créa Bonheur qui avait fait aussi un thème sur Noël. Et du coup, comme je n'avais pas du tout de livre de ce type-là, ni d'Halloween, ni de Noël, j'avais fait pas mal d'achats l'année dernière avec des livres sur ces thèmes-là. Donc, on va dire que c'est quelques petits livres qui me servent et qui me serviront pendant plusieurs années pour ces périodes-là. Quand il y a un challenge, quand on cherche des colos un petit peu à thème, même si on en retrouve dans les Clara Markova ou autres, c'est pas pareil.
Du coup, oui, j'ai ces livres-là qui sont. Qui sont pas mal pour certaines périodes de l'année. Mais après, est-ce qu'on peut parler de livres chouchous? Non, parce que ben, c'est pas non plus mes livres que j'adore par-dessus tout. En plus, c'est du papier Amazon pour la plupart du temps. Donc, on n'est pas non plus sur du haut de gamme de livres. Après, ils coûtent pas cher, ils nous permettent de faire les petits défis, les petits trucs. Donc, ça me va très bien dans cet esprit-là, quoi. Peut-être attendre que ça sèche pour ensuite remettre une petite couche sur l'autre. Je puisse finir après. Alors, autre question. As-tu un livre que tu trouves toujours beau, toujours très beau, mais très challengeant que tu n'as pas acheté? Oui. Gratia Salvo. Gratia Salvo, ma copine Colorfila, on est red dingue. Donc, je vois toutes ses présentations. Je regarde. Notamment le Wild Soul. Il est juste sublime. Mais je débute dans les portraits. Et là, il y aurait portraits et animaux. Donc, il me fait vraiment peur. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Et pourtant, il est atterri dans ma wishlist un paquet de fois sur Décomède, je crois, sur Vocus, sur Etsy. Enfin, je l'ai retrouvé vraiment à plusieurs reprises. Et puis non, à chaque fois, je l'ai remis à sa place parce qu'il me fait vraiment. On ne peut pas dire. C'est pas de la peur, mais. Ouais, pour l'instant encore trop challengeant pour moi. Voilà pour les questions. Donc, pour les personnes que j'ai envie de nommer. C'est très compliqué de faire un choix sans vexer les gens. Donc, mais. La règle est ainsi faite, c'est qu'on doit nommer des gens. Donc je vais le faire. Mais je ne veux pas, déjà, un, si vous êtes pas nommé, ne pas m'en vouloir. Je ne peux pas nommer toutes les personnes qui me suivent. Ce n'est pas possible. Donc je vais essayer de faire un choix sur les petites chaînes qui ne sont pas forcément tout le temps nommées. Parce que bizarrement, dès qu'il y a un haul, ou un haul, n'importe quoi, un tag, c'est souvent les grandes chaînes qu'on nomme. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais de ce pas vous dire que je nomme pour faire ce tag. Si j'arrive. À voir les choses. Donc, mais qui vais-je nommer? Je vais nommer Isa Hart. Qui me met toujours un petit mot gentil. Je vais nommer les crayons colo, donc c'est Eva. Je vais nommer Mélocolo, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Si ça peut l'encourager et
lui donner de la visibilité. Ça serait génial. Je vais nommer Color of Alae. Et est-ce que je fais quelques grosses chaînes quand même? Histoire de. Allez, on passe une frontière. Je vais nommer, quoi qu'avec Isa, on l'avait déjà passé, mais ma copine Simone Color. Ma copine que j'adore et qui va nous aider à économiser, j'ai nommé le monde en couleur de Nono. Et je pense que déjà, on aura pas mal de tacs de repris. Et puis, bah, puisque j'étais en train de répondre au tag en faisant notre duo, je nomme Marine Coloriage. Voilà, donc comme ça, j'ai fait des petites chaînes, des chaînes un peu plus conséquentes et des Canadiennes. Comme ça, j'ai tapé à toutes les portes. Donc, bah, je serais ravie, les filles, que vous me disiez que vous allez répondre à ce tag pour que je puisse regarder vos vidéos. J'ai hâte de voir vos réponses. Je finis cette vidéo. À nouveau en remerciant Cécile d'avoir créé ce tag. J'espère que mes réponses t'auront plu. Je te félicite aussi d'avoir eu toutes ces idées de questions qui sont un petit peu. Bon, il y a quelques questions qu'on avait déjà répondues dans d'autres tags, mais franchement, c'était une petite minorité. La plupart, c'était des questions assez innovantes qui nous ont permis de réfléchir et de se poser. Donc pour ça, je te remercie. Merci pour tes vidéos que tu fais et que je regarde toujours avec grand plaisir parce que tu as une douceur et une présentation qui me correspond. Donc je te fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à toutes les personnes que j'ai nommées et à toutes les personnes que j'ai taguées. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Elle voudrait un petit bisou. Un petit bisou.